Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo guide des défis du nouvel événement Quête de l'été cosmique. Donc on a un temps limité pour réaliser ces défis, comme on peut le voir juste ici, une semaine et 6 jours. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces défis et où est-ce qu'on va pouvoir les réaliser, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, ça nous demande de réaliser ces quêtes dans le mode de jeu guerre de zone en trio, alors que quand on va dans les modes de jeu, on ne voit pas ce petit mode de jeu guerre de zone. Du coup, pour pouvoir réaliser ces défis, vous allez devoir sélectionner le mode de jeu créatif, vous faites accepter, vous faites jouer et ensuite vous attendez que la page s'affiche. Donc vous allez avoir cette page-ci, donc mode créatif, choisir un serveur, vous choisissez découvrir de nouveaux jeux et vous allez mettre le code que je vous mets en description et en commentaire épinglé. Comme on peut le voir, ça active la bonne map qui nous permet de réaliser les défis de l'événement. Donc là, on peut voir Bio Zone Wars 1.0 Custom Trio. Donc là, c'est la bonne map. Vous allez sur cette map-ci et ensuite, on va pouvoir réaliser les défis et obtenir les différentes petites récompenses qui nous sont offertes lors de cet événement. Ensuite, une fois que vous êtes dans le lobby du mode de jeu, on vous demandera de choisir une équipe, donc 1, 2, 3 ou 4. Donc peu importe, vous choisissez l'équipe que vous voulez et ensuite vous allez devoir réaliser les défis dans ce mode de jeu-ci pour pouvoir débloquer les récompenses. Donc là, on prend nos petites armes et il va tout simplement falloir se fight. Donc je rappelle les défis, on avait un défi qui nous demandait d'infliger des dégâts, un autre défi qui nous demandait d'infliger des dégâts dans la tête, on nous demandait également d'aider nos alliés à faire des éliminations et on avait un défi qui nous demandait de regagner des PV ou bien du bouclier. Donc voilà, le mode de jeu se présente comme ceci. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'un box fight ou d'un warzone, etc. Donc franchement, rien de compliqué. Là, il vous suffira de jouer souvent dans ce mode de jeu. Et ensuite, de réaliser... Voilà, bon, lui, c'était free. Et ensuite, de réaliser vos défis tranquillement. En plus, c'est de la trio, donc vous êtes 3 pour réaliser ces défis, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Moi, je vous conseille d'y aller avec vos potes, parce que c'est vrai que les randoms, ils en ont rien à foutre de vous. C'est-à-dire que eux, ils partent tout seuls contre une team de 3. Au lieu de se fight en équipe, ce qui est vraiment pas ouf. En tout cas, les gars, on va pouvoir se laisser là-dessus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. À plus et à la prochaine.